Bonjour à tous, pour cette séance on va partir sur l'étirement du grand pectoral. Donc si vous avez un tapis, mettez-vous sur votre tapis, sinon vous pouvez vous mettre au sol. Alors le but ça va être de mettre sa poitrine au sol, de venir tendre le bras et on va venir s'enrouler ici sur son épaule. Donc je vais m'enrouler au maximum sur mon épaule, venir mettre la jambe opposée en direction de la main qui est au sol. Je garde une grande inspiration. Et je cherchais de l'amplitude, toujours en essayant d'enrouler mon épaule. Vous allez devoir rester 30 secondes dans la position. On va revenir tranquillement au milieu. Et 30 secondes dans l'autre sens. Deuxième exercice, donc pour les rotateurs, on va devoir se mettre au sol. Et on va tenir une minute dans cette position. Donc je me mets au sol. Je viens abaisser et resserrer les omoplates, ça c'est très très important. Surtout éloigner les épaules de vos oreilles. Je viens faire une rotation interne, c'est-à-dire amener mes nerfs le plus haut possible dans mon dos. Je resserre mes omoplates si elles sont desserrées un petit peu. Et là, en gardant la contraction des omoplates entre elles, donc le resserrement des omoplates, je vais venir baisser petit à petit mes fesses, ce qui va rapprocher mes paumes de main du sol. Et sans décoller les épaules du sol, toujours en gardant les omoplates serrées, vous allez descendre progressivement et tenir une minute dans la position. Le but, ça va être d'étirer cette rotation interne. Dernier exercice, on va venir mobiliser un petit peu les poignets. Donc j'ai les mains au-dessous des épaules, j'abaisse, je resserre les omoplates, je fais une rotation externe, donc je tourne mes avant-bras vers l'extérieur. J'écarte bien mes doigts et je viens me pencher vers l'avant, toujours sur les genoux. Et reviens en position initiale. Donc je repars vers l'avant, puis je reviens en position initiale. Je viens faire 10 reps dans ce sens, et ensuite je viens amener mes doigts en direction de mes genoux. Et cette fois-ci, j'amène mon poids de corps vers l'arrière, toujours en gardant toute la main au sol, et je reviens en position initiale. Donc 30 secondes à droite pour le grand pec, 30 secondes à gauche pour le grand pec, 1 minute de rotation interne avec les mains dans le dos, toujours en essayant de garder les omoplates resserrées et les épaules basses. Et enfin, 10 répétitions bras tendus où je vais amener mon poids de corps vers l'avant. Et ensuite, 10 répétitions avec les doigts en direction des genoux.